Ces pièces sont à vendre, Seigneur. Pas chères. Ce sont des objets du culte. Des trésors d'église. Tu les as volés ? Volés ? Nous les avons fabriqués nous-mêmes, de nos mains, Seigneur. Tu n'es pas chrétien ? Tu n'as pas vu les croix ? C'est l'évêque qui les a plantés, notre évêque, avec le comte d'en bas, celui qui est aveugle. Ce sont les croix de la paix de Dieu. Entre ces croix, chacun est le protégé de Dieu. Chacun a refuge. Tu te battrais, toi, entre ces croix. Regarde-la, celle-là. Regarde-la bien. Je vais t'y accrocher vivant, comme le mauvais larron de la mort du Christ. Tu es l'envoyé du roi de France, Robert, celui qu'on appelle le Pieux. Celui-là. Il est mon seigneur, mon parent. Tous deux, nous sommes francs de bonne souche. Je lui dois l'hommage. Je le lui rends. Que veut-il de plus ? Sire Comte, il veut l'impôt. Mon fils, le premier des huit. Mon gendre, le premier des trois, tous deux morts. Moi-même aveuglé dans la bataille, au service du père de Robert, mon cousin. Cela fait du sang. Des veuves, des orphelins, des complications d'héritage, des querelles, des larmes. Le tribut est payé, Audouin. Cela suffit. Le roi veut de l'or. De ces pièces que tu frappes. De ces pièces. Et pourquoi en veut-il ? Pour lever une armée ? Pour venir ici, dans nos plaines du Languedoc, faire régner la paix ? Lui, Robert ? Pas même capable d'aller d'Orléans à Paris sans être malmené par le dernier des brigands. Une buse ne fera jamais un aigle. Sire Comte ! En cette fin des temps, des aveugles guident d'autres aveugles. L'âne joue de la lyre, les bœufs dansent, le monde entier va sur la tête. Et pour comble, au-delà de nos vieilles cités romaines, ce sont des voleurs qui font la loi. Prends garde, Audouin.
Si la bonne foi se refuse, ma colère est encore capable d'employer la force. Quelle querelle me veux-tu, Sire Comte ? Je te le demande. Au nom du roi de France, ton seigneur, mon maître, à qui tu dois l'hommage ? Ce n'est rien. Autrefois, le roi de France ne voulait pas, ne voulait rien. Il se battait hors les murs. Aujourd'hui, le roi de France ne se bat plus. Il est tombé sous la coupe des moines. Je vois Guillaume, ton vassal le plus vif. Il est fort. Si tu refuses l'or, donne au moins l'homme. Il tiendra auprès du roi la place que ta faiblesse d'infirme a laissée vide. Insolent ! Je devrais te faire raser la tête. Te donner l'homme ! Guillaume, mène-le dehors. Mène-le dehors ! Viens, viens. Que font-ils ? Audouin s'en va, Sire Comte, avec ses hommes. C'est bien. Ce monde-là, oui, fut le mien. Écoute-les comme ils s'amusent. Bientôt, nous leur donnerons de vrais chevaux. Écoute-les. Ils se moquent bien de la mauvaise mort. Tu pars. Roquetaille. Le fief que je te donne est grand. C'est la montagne, presque dépeuplée. Le désert. De l'intendant qui le gère, je suis sans nouvelles depuis longtemps. Par deux fois, je lui ai envoyé des hommes, aucun ne m'est jamais revenu. S'il est coupable, châtie-le. Tu as pouvoir de justice. J'ai peur. Du voyage. Des morts. Des actions du démon. De la stérilité. La mienne. Dans ce désert. Montagne. Je vous connais, Judith. Vous êtes forte. La lumière ne vous manquera pas, ni la vie que vous portez. Où est-elle, cette vie ? Vous la touchez. Vos yeux la voient. Tenez. Regardez, visage comme le jour, teint comme la neige, cou comme le lait. Regardez-moi, vous avez la beauté, Judith, la lumière. Le diable n'engendre que la nuit, il aura peur de vous.
Il y a pour lui le temps qui passe. L'hiver. La longueur des nuits. Il détruit tout. Vous lui résisterez, Judith. Vous êtes forte. Ne me glorifie pas, Berthe. Je me tente. Tu n'es pourtant pas le diable. Regarde. Un souffle et la lumière s'éteint. Nous passons sans laisser de traces. C'est parfois le démon qui gagne. Et de bons rapports avec les hommes libres, tes voisins. Si tu les soulages des pillards, ils se recommanderont à toi, ils travailleront pour toi. Ce sont les bras qui manquent, pas la terre. C'est ta mule qui portera les reliques de Guillaume. Tu dois la bénir. Elle est vive. Ton langage aussi est vif. Elle est vaillante. Tu peux la bénir. C'est le comte qui me l'a donné. Je le sais bien. Bon. Va me chercher le bénit. Elle est vaillante. L'adolescent, je l'ai trouvé dans la montagne. Je l'ai gardé. Emmène-le, Guillaume. Avec sa mule, c'est tout ce qu'il a au monde. Tiens-la donc. Quant aux esclaves, s'il t'en reste, case-les sur les terres du domaine. Ils travailleront pour eux comme pour toi. Tu n'auras plus la peine d'en faire l'élevage. D'ici quelques saisons, envoie-moi une charge de grains. Elle me donnera des nouvelles de toi. C'est de la terre que tout nous vient. Tout nous vient. Guillaume, je te donne mon fief de Roquetaille pour que tu en sois le seigneur et châtelain, toi et après toi tes fils jusqu'au jour du jugement. Amen. Devant tous, j'ai reçu et accepté le fief de Roquetaille. Devant tous, je jure, sur ces reliques d'y œuvrer sans cesse pour la plus grande satisfaction du comte Monseigneur. Sire comte, je suis ton vassal, ton homme de bouche, de main, tout devant aide et conseil, soumission et fidélité. Je me garderai de blesser ton corps. Je me garderai de te faire du mal. Je te ferai du bien. Que l'enfer me saisisse si par grand malheur je me montre félon. Pour te montrer que je pars sans esprit de retour, j'emmène avec moi ce que j'ai de plus précieux au monde, Judith, ta nièce, ma femme, qui portera mon fruit. Les jeunes guerriers qui me sont vassaux et compagnons, et la dépouille embaumée de mes parents morts. Mortus fueris.
de mon frère que j'aimais tant. Que Dieu te rende aussi féconde que tu es belle. Mes doigts n'auront plus le plaisir de te toucher. Je suis trop vieux. Guillaume ? Reste-moi fidèle. Toi, le vassal, par le lien de l'hommage. Aussi proche qu'un fils par le battement du cœur. Reste-moi fidèle. Thank you.
De très beaux objets, seigneur. Un joli bijou. C'est un esclave ? Forgeron, seigneur. Un très bon forgeron, très habile. On ne peut vendre un chrétien qu'à un autre chrétien. J'en ai châtié plus d'un pour n'avoir pas respecté cette règle. Seigneur. Combien cette fibule ? Laisse. Combien ? 5 deniers. Tu es baptisé ? Oui, seigneur. Je m'appelle Benoît. Toi, marchand ? Moi aussi, seigneur, de par le Christ. Qu'est-ce que tu fabriques ? Des ornements d'église, des calices, des châsses pour les reliques. Tu travailles le fer ? Le fer aussi, je le travaille. Des armes, des outils ? Des outils, oui. Pour travailler la terre. Ceux que les paysans connaissent, d'autres encore qu'ils ne connaissent pas. Où as-tu appris ton métier ? En Poitou, sur un grand domaine. Ensuite, chez les moines de Cluny. Tu l'as acheté aux moines ou bien tu l'as volé ? Acheté ? Je l'ai acheté, seigneur. Il vous le dira lui-même. Le moine de Cluny avait besoin d'argent. Il a vendu quelques esclaves. Assez ! 70 sous, je l'ai payé. 5 fois le prix d'un cheval. Pour 12 sous de mule, est à vous. Et il vous rendra de grands services. N'oublie pas ce que tu as promis au moine de Cluny. Ne jamais me vendre sans mon sac. Un sac ? Un sac, oui. Donne-le. Voilà. C'est pas grand-chose, hein. C'est précieux. C'est un métal. Allié au fer, il le rend plus dur, plus coupant. Une corne de vache. C'est un objet magique. Il est sorcier. C'est une flûte. Je l'ai faite. Nous le saurons quand tu en joueras. 72 sous. 72 sous ? Mais vous me ruinez, seigneur. Je l'ai nourri pendant 3 mois. Quand tu as l'argent, prends ton sac et suis-moi. Tu as raison, marchand. Ce sac, ce n'est pas grand-chose. C'est un trésor. Thank you.
suis Guillaume, le nouveau seigneur de ce fief. Devant ces saintes reliques sur lesquelles je lève la main, et devant mon prêtre, André, qui célébrera ici pour nous tous les mystères de notre foi, je dis, je ne saisirai ni le paysan, ni la paysanne, ni le berger, ni la bergère, sauf crime ou délit commis contre moi ou contre tout autre plaignant. Je n'incendierai, ni ne brûlerai la maison des pauvres, sauf... Sauf si j'y trouve... Mon guerrier, un ennemi. Un guerrier, mon ennemi, ou tout autre me voulant du mal. Avoir arraché la main de son voisin, sans sou au seigneur justicier, 65 sous à la victime, 50 sous si la main reste pendante. N'oubliez pas de dire que la nuit est circonstance aggravante. De quelle manière ? Tout homme qui mettra la main sur la robe d'une femme paiera 20 deniers le jour, 40 deniers la nuit. La nuit est circonstance aggravante qui double les peines. Va ! Va ! Je l'avais acheté pour toi. Je l'avais oublié. Tiens. C'est une fibule. On lève le camp. Dis-moi, l'autre jour au marché, tu as montré à Guillaume ce que contenait ton sac. Tu n'as pas fouillé tes poches. Qu'est-ce que c'est ? T'es bien curieux ? Comme le reste, un trésor. Un trésor ? À toi, un esclave ? C'est ce qu'a dit Guillaume. Tu veux le voir ? Oui. C'est du blé. Ce n'est pas un trésor. Pour moi, c'en est un. Pas pour les autres. Pourquoi pas pour les autres? Regarde, qu'est-ce que c'est? Un grain de blé, quoi. Ah ouais. Quand les autres mettent en terre un grain de blé,
Celui-là ou un autre. Combien de grains récolte-t-il? Combien de grains coupés à la moisson dans ton plat pays pour un grain mis en terre? Je ne sais pas, moi. Ça dépend du soleil. 3, peut-être 4. Moi, pour un grain mis en terre, celui-là ou un autre, j'en récolterai 10, 12, peut-être plus. C'est parce que tu es sorcier? Non, non. Je travaille la terre à ma façon, pas comme les autres. Le trésor est là. Et la flûte? Qui t'a montré à jouer de la flûte à toi? C'est mon père, quand j'étais petit. Il est mort? Je sais pas. Peut-être. Ils l'ont vendu. Et ta mère? Elle est morte. Tu es orphelin, alors? Oui. Pensez-vous? Je pense au jour où le monde créé sera jeté bas. Vous y pensez maintenant? Ça me vient maintenant, oui. Pourquoi? J'ai lu dans l'Apocalypse de Saint Jean qu'à la 1000e année de la Passion du Christ, Satan serait délivré de ses chaînes et qu'il s'élèverait comme un soleil jusqu'au zénith. Je vous envie de savoir lire. Vous, vous savez les textes par cœur. Je continue? Bien, cela vous ennuie? Je l'ai fatigué. Non. J'ai lu aussi que le Christ a dit: malheur à celles qui seront enceintes. Malheur à celles qui allaiteront en ces jours-là, quand il ne restera plus pierre sur pierre. Nous allons vers la fièvre que le comte m'a donnée. Et le Christ a dit autre chose aussi: sois sans crainte, petit troupeau, car le Seigneur s'est complu à vous donner le royaume. Et Dieu, parlant à Noé, a fait alliance avec toute chair qui est sur la terre. C'est vers un royaume de chair que nous allons. Nous le prendrons humblement. C'est notre terre promise. Les malédictions sont pour les méchants, pas pour nous. C'est votre prêtre qui dit cela. Moi, je le dis. Dieu attend des uns qu'ils soient parfaits, pas des autres. Pas de nous, qui nous aimons de corps. Vous êtes Adam, je suis Ève. Votre prêtre pense que je vous tire sur la mauvaise pente. Il n'est même pas. Moi, je vous aime. Cela suffit. N'êtes-vous pas mon désir? N'êtes-vous pas celle qui portera mon fruit? Je le ferai peut-être. Si Dieu est plus fort que le diable. Whoa!
Reviens! Notre Père qui êtes aux cieux. Notre Père qui êtes aux cieux. Nos te paeque in seo. Que vos te nom se santifia. Que vos te règne arrive. Que vos te volontà se hiedo. Notre Père qui êtes aux cieux. Padre cada dia. Que votre nom soit sanctifié. Que votre règne arrive. Que votre nom soit sanctifié. Padre cada dia. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous. Da web vos hermanos, que me perdonemos en la idea que no han hecho. No nos dices que cae en la tentación y deliváis de mal, que en si os he tratado. Que va a meterse y hacer en chuse la gorge en ta dice de nuestro país. ¿Es bandido de Rocatallo? No, d'autres. Armados, a cheval, a villas de guerra. Leu se mane in via utendre. Beleu no. Ma i tigre calderai attenzione. Oh. Che caue a tavo. Casa puiara mo, o no se cara lei. E sarà. As compres. Che compreni. Tete. No. Ni pas a tau, que has comprès d'haver cap, més pas d'haver esmòs, que bo hi ha iu. Vés trobar ta pai. Jan, mia mainada, que parti, da uva plaera zoias, que tornerei a iguan l'estiu, a Rio, que deixi grammai, beio suzero, a Dio. Cacero rupo cielo vado de mou, como a pete novo. Cacero rupo cielo vado de mou, como a pete novo. Tete. Tagueri las tuas dulos. Thank you.
Et avant Guillaume? Avant Guillaume, je servais Roger. Nous passions les Pyrénées pour aller nous battre contre les Sarrasins, les piller, les capturer. Un matin, le seigneur Roger prend l'un des captifs que nous avions fait. Il le tue. Il le découpe en morceaux, comme un porc, et le donne à manger aux autres, cuit dans un chaudron. Puis il fait semblant d'aller dans un autre lieu, partager avec nous les restes de cette cuisine. Quelques jours plus tard, le seigneur Roger laissa fuir l'un des prisonniers, le plus naïf, le plus jeune. Il voulait que l'histoire soit connue dans tout le pays. Les Sarrasins, disait-il, me prenant pour un ogre, me donneraient de l'or pour que je m'en aille. Ils l'ont fait ? Je ne sais pas. Mon père m'a fait revenir d'Espagne pour me confier à Guillaume. Personne n'a jamais su ce qu'était devenu Roger. Qui est là? Approche. Montre-toi. In nomine Patris et Filii. Et Spiritus Sancti. Amen. J'ai faim. Je m'appelle Eudes. D'où viens-tu dans ce désert? Tout seul? De Roctail. Tu es monté au camp? Les bergers m'ont dit que l'homme qui le tient est un brigand. Tu n'as pourtant rien qu'on puisse te prendre? J'ai la vie. Tu es prêtre? Je le suis, oui. Es-tu converti les païens? Je le fais, oui. Je leur porte la bonne nouvelle. Et s'ils la refusent, ta bonne nouvelle, s'ils la trouvent mauvaise, si la vie de ceux qui la portent leur semble mauvaise, alors ce sont les guerriers qui les baptisent par le glaive du massacre. C'est moins que rien de les tuer, dites-vous, puisqu'ils ne sont pas chrétiens. Tu penses que les chrétiens sont méchants? Je suis baptisé. Je ne dis pas cela. Tu ne m'as pas répondu. Parle. Je dis que la terre est du diable. Je dis qu'il ne faut ni maître, ni serviteur, ni esclave. Au jugement dernier, devant Dieu, tous seront égaux. Toi, tu en connais le jour. Dieu nous envoie des signes. J'ai regardé, je n'ai rien vu. Ne lit-on pas dans Daniel qu'à la veille du jugement, il régnera une peur telle sur la terre qu'on n'en vit jamais la pareille depuis la naissance des nations? N'as-tu pas cette peur? Je n'ai pas peur. Ne lit-on pas que ceux qui sont dans la plaine fuiront dans la montagne? N'est-ce pas ce que tu fais? J'obéis à celui qui m'envoie et qui possède la sagesse. Le temps des prodiges est passé. Tu parles comme si tu étais un prophète, comme si tu avais pris la place de l'agneau de Dieu. De loin, tu ressembles à un prophète. Et de près, tu pues comme une charogne. La terre est mauvaise, la chair est mauvaise. Avec la semence de l'homme, c'est le démon qui pénètre dans le ventre de la femme. Va-t'en.
Ils auraient pu te faire du mal. Soyez en paix. Vous aurez 15 deniers pour les torts. Benoît. Tu parles leur langue? Je la parle un peu. Dis-leur que je leur donne 15 deniers pour les torts que mes hommes leur ont faits. Dis-leur que je suis Guillaume, le nouveau seigneur de ce fief. Dis-leur que je monte au camp. Et signor Guillaume qui t'offrisse ero pace perché nous lo respunes pas. Et ces esclaves souls parlent la langue du maître. Il a dit, seuls les esclaves parlent la langue du maître. Passer semence, le camp nous voit. Nous serons vus. Roquetaille est tout prêt. Tu as peur de moi? Tu es esclave? Oui, Seigneur. Moi, je suis Guillaume, le nouveau seigneur de ce fief. Combien de familles vivent ici? Aucune. Tous les esclaves se sont enfuis. Tu parles notre langue? Tous les esclaves parlent la langue du maître. J'ai déjà entendu cela. Qui cultive la terre du domaine? Personne. Les maîtres sont des brigands. Ils ne font pas cultiver. Du vol. Alors qui te nourrit? Les bergers, quand je leur demande. Tiens, prends. Il te gardera du froid. Désormais, c'est moi qui te nourrirai.
Il est maigre. La prochaine fois, tu en porteras deux. Le manteau. La coquille. Le bâton. Marc, ton épée. Toi, le prêtre, viens avec moi. Tu te feras suivre par la mule aux reliques. Toi, le guide, mène le convoi plus avant. Tu l'arrêteras bien en vue du camp. Vous, mes guerriers, suivez-moi, sans être vu. Pèlerin de Saint-Jacques, une mule relique. La poule vient d'elle-même se mettre dans la gueule du loup. Christ soit avec vous. Et avec ton esprit. Nous allons à Saint-Jacques, moi et les miens. Nous donneras-tu l'hospitalité? De par le Christ, oui. Ce camp est le tien. Guillaume. Vassal du comte. Nouveau seigneur de ce fief. Marc! Olivier! Fouillez le camp! Les a tués. Tuer qui? Les hommes du comte. Ce sont leurs tuniques tachées de sang. Demain, je te jugerai. Voici, dit Dieu, que je fais toutes choses nouvelles. Et il montra la cité sainte, Jérusalem, descendant du ciel, envoyé par Dieu. Et le bonheur sera sur la terre. Les nations se lèveront l'une contre l'autre, les États l'un contre l'autre. Il y aura des épidémies, des tremblements de terre et des famines. L'abomination de la désolation. La cité ne manque ni de soleil, ni de lune, car la clarté de Dieu l'a illuminée, et sa lampe, c'est l'agneau. Son soleil est l'espérance.
L'Antéchrist viendra avec une tête monstrueuse. Il portera des oreilles d'âne, les mâchoires grandes ouvertes ornées de crocs de fer. La troupe des élus sera mise en lumière. Les fils de tes fils jusqu'à la centième génération. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur Comte m'a donné ce fief de Roquetaille pour que j'en sois le justicier et le châtelain. Au lieu d'être source de paix, ce camp était devenu maison d'assassins et de voleurs. Moi, Guillaume, nouveau seigneur de ce fief, devant la Sainte Croix, sur laquelle je lève la main, et devant mon prêtre André, qui célébrera ici pour nous tous les mystères de notre foi, je dis, je ne saisirai ni le paysan, ni la paysanne, ni le berger, ni la bergère, sauf crime, ou délit commis contre moi, ou contre tout autre plaignant. Je ne toucherai ni aux manses, ni aux outils, sous un prétexte de guerre, sauf urgence ou nécessité. Depuis les calendes de mars jusqu'à la Toussaint, je ne toucherai au pâturage ou dans la forêt, ni la mule, ni le mulet, ni la jument, ni le poulain, ni la vache, ni le veau, ni la brebis, ni l'agneau, sauf si je les trouve en train de me faire dommage sur les terres propres du domaine. Quant aux peines que j'infligerai à ceux d'entre vous coupables d'offenses ou de crimes commis contre les membres de leur propre communauté, elles sont conformes aux usages du Code. Avoir arraché la main de son voisin, 100 sous au seigneur justicier, 65 sous à la victime, 50 sous si la main reste pendante. Avoir arraché l'index qui sert à tirer l'arc, 35 sous. Avoir gâté l'eau d'une source, 100 sous au seigneur justicier, 100 sous aux plaignants s'ils sont plusieurs. Avoir caché à la communauté un animal atteint de maladie, 100 sous au seigneur justicier, 100 sous à la communauté plaignante. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Marc ? Ces tuniques ensanglantées sont celles des envoyés du comte. Elles désignent comme coupable de crimes de sang le félon, l'intendant qui vous tourmentait. Ignorant cette preuve, l'accusé se déclare innocent de ses crimes. Qu'on le détache. Qu'on lui donne une épée. Et devant vous, assemblée des hommes libres de ce fief, que Dieu, par le Christ, nous montre qui dit vrai, de lui ou de moi. Guillaume, son accusateur. Ah!
Et les bandits, Guillaume? Les chances. Les bergers. Ils sont barrés. Qu'avez-vous, Judith? Vous êtes pâle. C'est la vue du sang. Non. Depuis 2 mois. Le mien. Je ne le perds plus. Dieu est plus fort que le diable. 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 Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebis suae. Ego sum resurrectio et vita, qui credit in me, etiam si mortus puerit vivere. Et omnis qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum. Et erexit cornus salutis nobis, in domo David pueris sui. Dans cette terre bénie reposent les corps de mes pères et mères l'un près de l'autre jusqu'au jour du jugement dont nul ne sait ni le jour ni l'heure. Avant les cimetières consacrés par notre église romaine, les tombes étaient éparpillées au carrefour des routes, gardées par les corbeaux, profanées par des pillards. Désormais, c'est dans cette terre d'église que tous les morts de ce fief seront enterrés. Ils y seront en repos. Et leurs fantômes ne sortiront plus la nuit des profondeurs de la terre pour vous tourmenter. Riches ou pauvres,
seront inhumés dans leur nudité, sans armes, sans bijoux, sans parure. Au contraire de l'ancienne coutume des païens. Dieu a créé les biens de ce monde pour les vivants, pas pour les morts. Triple est la nature divine, triple est le monde créé par Dieu. Homme de prière, homme de guerre, homme de travail. Cet ordre du royaume terrestre est le reflet du royaume céleste. Quiconque le trouble, trouble l'harmonie des forces créées par Dieu et se met en état de péché mortel. Vous, les pauvres, les humbles, les laborieux, parce que vous nourrissez les autres hommes, le salut éternel vous sera plus facile et plus grande la miséricorde du roi des rois. Amen. Has compris ce qu'a dit? Dame les sues murs, acide, en aquel otero. Y a su ojeno, se porta frut. Qui homo es pa presta nace, des pa mestres claves. Da huit que hemos demandara de treballar a su esteres. C'est un outil pour le domaine? Oui, seigneur. Pour la saison prochaine. Pour le printemps. C'est un soc. Tu en feras d'autres. Si j'ai de quoi. Il me faudra des mains pour tenir ces outils. Je ne les ai pas. Moi, je n'ai plus de fer ni de charbon de forge. Bientôt, je n'aurai plus de quoi forger. T'as eu peur? Non. Ah, tu vas vendre des châtaignes dans la vallée? Moi, je les ramasse. Pour le reste, j'ai pas d'argent. Je suis un esclave. Prends-le, je te le donne. Tu parles la langue des maîtres? Mon père la parle. Tu es la fille du chef du village? Prends. Je le prends comme un gage. Prends. Que les dieux te punissent si tu t'en dédies. Tu parles comme un païen? Je peux parler comme un chrétien si tu m'en apprends mieux le langage. Je m'appelle Benoît.
Je m'appelle Jeanne. Il reste 15 mesures de fèves sèches. 30 de sel. 10 de froment. 10 jambons. 3 tonnes de poisson fumé. Et 6 livres de miel. Je les emporte. Avec ça, nous n'irons pas jusqu'au printemps. J'ai peur de l'hiver, de ces nuits. Nous aurons peur ensemble. Mm-hmm.
Teraz ojas su nerbiuzas. C'est la zamiaba na montagne. Despuis que Guillaume a tué den inden en filou, qu'avait mes rapaces. Tete. Tete. Qu'est-ce qu'il y a plat? Clave qui t'a baillé d'aquette coutette. Et you qui l'aide à tuer. Que y esclave. Qui portera ce raunt. Que y mes habillés fabricants de pays. Mais que y esclave. Que me libre, John. Vensas nous des morts. Que promo d'aquero qui est malade. John! John! Qu'est-ce que tu as grand mai? Oh, que est mou en brinte. Crubesti. Que imor. Quinta da dit. Giuseppe. Que se ne è andato a tutto solo. E una clotto. Che va a cale con un paio a te mare. Sì, io. Che pagavo. Sai qua. E tu che decidi. És a tio? És a tio? Adio. Adio. Que é brente da gran mai de Llano, da que guerisse. Passes pas a banho quando sou assietada. Que eres he uma machante de chance. Eu? Faz eu? Faz tu, Gilles.
Va forse che è tu, che non puoi conoscere. Veo. Veo. Este camp se tormento. No, bet cop. Elo e leu. Se tormenton, que defenderam. No passiet pas mes hots knet. Se tu ataquets, dautes que bengeran. Mis nombos, mis machans. Guarde. Ni manque que caucas peces de boas. En dernier lieu, la cité de Dieu est habitée par les anges, qui sont le plus bas degré de la hiérarchie céleste. Toutefois, à ces anges viendra se joindre, au jugement dernier, un rassemblement. Choisi parmi les hommes mortels. Attention! Ainsi, par la copulation et l'enfantement, les amants grandissent le cortège des appelés, qui se reposent au séjour secret des âmes, en attendant d'être jugés par Dieu. Et du grain. N'en avons plus. Guillaume. Tu le sais. Parti sur les grands chemins. Tu le sais. Prie Dieu qu'il ne soit pas devenu voleur. Qu'il ne soit pas pillard. S'il est devenu, c'est pour que nous puissions manger, toi comme les autres. Écoute-nous. C'est Guillaume. Oui, Guillaume. Nous sommes venus en avant. Où est-il? Nous avons acheté ce grain à des marchands le soir. Volé. Vous l'avez volé, pas acheté. Les marchands sont des voleurs. Pas Guillaume. Ils cachent leur blé en hiver pour le vendre plus cher au printemps. Nous l'avons acheté. Acheté, à la pointe de l'épée, par violence et par la force, au mépris des commandements de Dieu. Parle. Le matin, au lever du camp, Guillaume voit sur la crête un mouvement d'hommes de chevaux. Regardez, dit-il. Ce sont des Sarrasins. Ils font toutes choses au contraire de nous. Dorment le jour, marchent la nuit. Je tomberai sur eux comme la foudre. Quand viendra-t-il? Il n'a rien dit. Laisse-moi seul. Veniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie,
Et dimite nobis dipita nostra. Sicut et nos dimitimus dipitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentatione. Se libera nos a mal. Est-il arrivé ? Il nous frappait. Il ne répondait plus à nos voix. Vous lui avez attaché les mains ? Pour ne pas qu'il s'arrache les yeux avec ses ongles. Et son épée ? Il l'a brisée. Tu l'as vu faire ? Non. Il était à l'écart de nous. Le ciel a-t-il formé cette merveille pour la demeure d'un serpent ? C'est le diable. La lumière me brûle. Les yeux me brûlent. Dieu l'abandonne au diable pour le punir d'avoir volé des marchands. Va chercher les miens. Va chercher les miens, que je tue cela avant qu'ils ne mordent. C'est le diable. Comme l'enfant qui se noie dans l'eau du baptême, il meurt pour renaître à une autre vie. Arrêtez ! Arrêtez, je vous l'ordonne. Nous le délivrerons du mal. Recordare Satanas, quae tibi maniat pena, quem videris hominem, quem Deus et Dominus meus, ad suam gratiam vocare est, confusus fugias et recedas. Adjuratus, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, cuius est hoc signum et nomen invictum. Regardez. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les campements de Salomon. Ne regardez pas dans mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. La pluie a cessé, la neige s'en est allée, les fleurs décorent la terre. Lève-toi, mon ami. Lève-toi, ma belle, ma colombe, nichée dans les replis de la montagne, dans la combe aux agneaux. Lève-toi. Montre-moi ton visage. Montre-moi ton visage. Fais-moi entendre ta voix. Derrière tes mains. Tes yeux sont comme des oiseaux. Des cheveux comme un troupeau de chèvres. Des joues comme deux moitiés de grenades. Derrière le voile de tes mains.
استطيع ان اقتلك بسيفك هذا. لكني اني اراك عديم شعوري. اصبحت مثل المجنون. انه لا ياتيك اي ضرر مني. Recordare Satanas quae tibi maneat pena cum videris hominem quem Deus et Dominus meus ad suam gratiam vocares confusus fugias et recedas quod si fallaci del Geseris erditivi Christus in preparato judi non designabis adjuratus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti cuius est hoc signum et nomen in vicum resistit et diavolo et fugit a vos quade Deo et appropinquavit vobis. Recordare Satanas quae tibi maneat pena Deo vivo rationem redes et vaccinatum non designado adjuratus in nomine Patris et et Spiritus Sancti cuius est hoc signum et nomen infindicum resistit et diavolo et fugit a vobis appropinquate Deo et appropinquavit vobis sante le soleil se lève.
cou est comme la tour de David. Tu es belle. Et il n'y a pas en toi de défaut. Comme le lys entre les chardons, telle est ma bien-aimée entre les jeunes femmes. Que ton amour est délicieux. Que ton amour a de charme. Je suis Guillaume. Qu'on allume le feu, qu'on pétrisse la farine. Antibus a nocte noctem segregans. Hoc excitatus Lucifer solvit porum caligine. Hoc omnis eronum cors viam nocendi deseri. Hoc nauta vires colligi antique mites cum freta, hoc ipsa petre ecclesiae canente culpam diluit. Surgamus ergo strenue gaius iacentes excita, et somnolentos increpat gallus negantes arguit. Gallo canentes pes redit, egris anus refunditur, mucro latronis conditur, lapsis fides revertitur, et uque culpa solvitur. Refuge sensibus mentisque somnum discute, te nostra vox primum sonet. Cette unique ensanglantée sont celles des envoyés du comte. Elle désigne comme coupable de crime de sang le félon, l'intendant qui vous tourmentait. Qu'on lui donne une épée. C'est le jugement de Dieu. Des deux combattants, le vaincu sera considéré comme le coupable. À Guillaume, vainqueur, Judith annonce qu'elle attend un enfant de lui. Dieu est plus fort que le diable. Au printemps, la tour que Benoît construit est en voie d'achèvement. Poussé par la faim, Guillaume est parti sur les grands chemins pour voler du grain aux marchands. Quand viendra-t-il ? Quand Guillaume revient au camp, il a les mains liées. Dieu l'a puni, l'a abandonné au diable. Guillaume est ensorcelé. Il faudra le long combat de l'exorcisme pour que la vie...
La sorcière qui nous a fait tomber. C'est elle qui a envoûté Guillaume. Il faut la châtier. Faut la châtier. À la sorcière. 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 Seigneur Guillaume. Que se passe-t-il? C'est Marc. Il les entraîne chez la sorcière. David, arrête-les. Empêche-les de lui faire du mal. Demura! Demura! Arrêtez! Arrêtez! C'est elle qui a ensorcelé Guillaume. C'est ce bouc qui l'a engrossé. Menteur! L'enfant qu'elle porte est un enfant d'homme. Soyez maudit si vous lui faites du mal. Si tu as le diable au ventre, qu'il se fasse connaître. Fais-toi connaître. C'est bien. Guillaume veut la paix. Rendez-leur le bouc. Qu'on fait des animaux. Saint Agapi guérit les brûlures, pas les esprits païens. Saint Blaise guérit le mal des brebis, pas les esprits païens. Saint Benoît guérit les ulcères, pas les esprits païens. Saint Agathe guérit les maux de tête. Saint Léonard guérit les maux de ventre, pas les esprits païens. Papa. Que est nous devons faire marcher. Nei pas besmode brenti, che sei godido, as comprese mie hie. La prise est mauvaise. C'est un autre soc qu'il faut y mettre. Celui-là. Tu m'en feras une neuve. Plus longue, aussi tranchante que ces épées qu'ils font dans le nord. Je pourrais la refaire d'une seule pièce, comme avant. La nouvelle sera glaive de justice pour maintenir la paix. Le prêtre peut se châtrer pour la gloire de Dieu, pas moi. Je suis baptisé, j'espérais ne plus devoir forger des armes. Tu forgeras celle que j'ai dit. Tu m'affranchiras. Je serai libre. Tu forgeras cette épée, Benoît, je te l'ordonne. Pour la forger, Seigneur, il me faut du fer. Les hommes libres en ont, va les trouver. Je te donnerai une pièce d'argent et d'autres objets, de quoi remplir de fer la charge d'une mule. L'intendant Félon.
Vous avez construit une tour qui fait peur aux pillards, la paix. La paix, ils l'ont déjà. Nous, nos terres sont en friche, elles ne portent rien. C'est au printemps qu'on meurt de faim. Vous voulez que je sois violent, Judith? Je veux que vous teniez vos promesses. J'entre en guerre, mais il n'y a d'engagement que libre. De Guillaume au comte, des villageois à Guillaume, de Guillaume à Judith. De vous à moi, oui. J'étais aveugle, Dieu m'a jeté à terre, il m'a relevé, c'est un signe. Je vous ai vu. Pourquoi me dire cela? Vous n'avez plus votre confiance. Vous aviez dit que cette terre de montagne serait notre royaume de chair, notre terre promise. À vous, à moi, l'enfant qui va naître. Vous n'y êtes pas maître? Je le serai. Avant mon terme, Guillaume. Avant la fin des temps. Non, non. C'est un autre soc qu'il faut y mettre. C'est... Ma grand-mère est guérie. Nous le savons. C'est une bonne nouvelle. On m'a dit que c'était à cause de toi qu'elle était malade. À cause de moi? Oui, et de moi. Elle est guérie. Moi, j'ai pas changé. Et toi, pour moi, t'as changé? Non. C'est vrai que votre bélier est mort? Il est monté mourir tout seul là-haut, au début du printemps. La sorcière ne l'a pas guéri? Ni personne? Non. Je croyais que tu voulais retourner la terre. Elle est trop dure. Je ne serais peut-être moins si tu nous aidais. Tu pourrais nous prêter ton ânesse. Ça se mène comme une mule. Mon ânesse? Vous avez une mule au camp, tu n'as qu'à t'en servir. De par Guillaume, j'ajoute cette pièce frappée au nom du comte. Non, il faut ajouter du fer, au moins 2 livres. Ils te font un bélier d'Espagne pour changer le sang du troupeau. Là-bas, c'est 7 pièces qu'ils te prendront. Caradou. E pas un vaya un esclavo que aurem un maret d'Espagne. Que ne calarie au Mendoza. O toi que ou a liura. Comme tu voudras, reprends ton fer, je garde la pièce. Attends. Bene. Bayulen dues. Marché conclu, voilà la pièce. Demolat! Faisant autant. Suffit pas d'avoir le fer, il faut savoir le forger. Il faut la forge. Tiens. Garde-le, je te le donne.
Il te reste à l'affûter. Si ton travail me plaît, je te laisserai penser tout bas à tes chimères. Bon, c'est bon pour aujourd'hui. Thierry, occupe-toi de la mule. Viens voir, Jeanne. C'est joli. Qu'est-ce que c'est? J'ai trois secrets. Tu vois, le premier, c'est ces petits trous que la force de l'eau fait tourner. J'en fais un là-haut, plus grand. Comme ça, tu n'auras plus besoin de moudre le grain à la main. Et le deuxième secret? Le deuxième secret, c'est ce soc qui renverse la terre, qui la retourne pour l'aérer. Le troisième? Le troisième? Regarde. Je ne vois rien. Regarde, je le vois. Qu'ils font? Ce sont les bergers. La fête du printemps. C'est la fête de la fécondité. Kerahum daketwek. Baia la tua area, toute la fécondité de la terre. Kerahum daketwek. Baia la tua area. Fécondité de la terre.
J'ai vu leur bélier passer. Ils vous défient, Guillaume, ils nous offensent. Cette paix-là est mauvaise, elle les fait vivre. Elle nous tuera. Ton esclave m'a donné un couteau. Nous te faisons cette offrande pour que la paix reste entre nous. Quelle paix? Nous n'avons pas la paix. Vous n'êtes pas mes hommes. Nous te voulons du bien, Guillaume. Ce n'est pas assez, Roland, il faut m'en faire. Au jour du jugement, quand se formera le cortège des élus, dans quelle file vous mettrez-vous? Avec les guerriers, avec les prêtres, avec ceux qui travaillent pour que la chrétienté mange et vive. Celui-là, dira-t-on, était Guillaume, fondateur en ces montagnes de la paix de Dieu. Dieu l'a jeté à terre, puis devant vous, Dieu l'a relevé. Et par orgueil, vous êtes resté aveugle à ce miracle, insoumis à l'ordre chrétien. Vous êtes dans la guerre, pas dans la paix. Que dites ? Qui parle de guerre? Que ne sait pas. Parle. Aime se comprendre ce que dit. Guillaume que beau, que de bengue met sois hommes. Mais da huit sues esclaves. En ta un neurit. Ta creye can ordune. Ta cambia nostres costumes. Que cau que parle clair et que s'explique. Nous ne voulons pas devenir esclaves. Pas comme celui-là. Qui parle d'esclaves? Je vous défendrai, vous me nourrirez, vous serez mes hommes. Nous les écoutions pas. Que profitera de la guerre en tant que servi? Quand tu as tenu une tendance où? Que nous avons yaché la paix? Calpa! Tant que recara, nous sommes libres. Mais nous sommes capables de bataille. Guerrier, sap qui les armes? Mais nous n'y a pas que les armes! Tu arrives tout ce qu'on a pour la tua bravoure! Ni tu pour ta saillesse, ni ton paille! Ton grand paille est tout destruire! Oh, signé, mais non! Oh, signé, partez! Vous me faites offense, partez! Vous n'êtes pas mes hommes!
Signora Daude. E Daude Herr Dave. Mestarde. E Guilhem. Che mi sono rifiutato il motu. Che vuole venire ma sciom. Nous sommes tous tes guerriers, Guillaume, tes vassaux. Tu nous dois le pain. Pas cette pourriture. C'est bon. Nous leur montrerons ce que font les guerriers quand ils sont méchants. Elle est prête? Non, elle n'est pas parfaite. Donne. Voyons comme elle coupe. Guillaume, il tue. Que casse n'y m'porca risna bis. Quand ça cadia te can. Qu'arriba un brasin. Anem. Ça qu'il y a des camps, une ta cau juillet. Où n'est-ce pas juillet? Vous m'avez coupé la voix, assommé l'un des miens. Je devrais vous tuer. Nous ne pouvions pas savoir que c'était toi. Tu nous as dit la justice. Vous n'avez pas entendu la chasse? À cause de vous, l'animal est perdu. Ce sont les miens que tu chassais. Faudra-t-il que je tue vos bêtes pour nourrir les miens? Tu as ravagé notre seigle, sans profit pour personne. Vous n'êtes pas mes hommes. Désormais, je me nourrirai sans égard pour vous. Ne me demandez pas refuge si l'on vous attaque. Ne m'appelez pas si l'on vous tue.
garçon est à moi. La vie sauvage est à moi. La force de l'eau est à moi. Le fer dans les entrailles de la terre. Faites-le savoir, je me nourrirai. Que belleza. Je ne suis pas segura. Tu sais qui passe. Que belleza, Guillem. Et malheur, Thanos? Non. Et à Otavita. Et où? Que est-ce? Ari, te mourra. Le ciel te bénisse, Renaud, fidèle du comte aveugle notre Seigneur. Béni soient tes morts et ta lignée. Béni sois-tu, Guillaume. J'ai voyagé 3 jours pour te rencontrer. Béni sois-tu. Mon prêtre t'a fait savoir quelle était ma demande. Il m'a dit que tu voulais m'entretenir à la frontière de nos fiefs. Sur les terres que tu tiens du comte, les hommes libres se sont recommandés à toi, ils sont tes hommes. Ils le sont, oui. Pas les tiens? Non, pas les miens, c'est pour cela que je suis ici. Tu veux que nous leur fassions la guerre? Je veux qu'ils donnent tout son prix à la paix. Et pour cela, c'est moi qui dois leur faire la guerre. Et toi, oui, tu le feras pour l'honneur de moi. Près du camp, ils y mènent un troupeau à 4 ou 5 brebis. Attaque-les. Et le butin? La viande? Si tu la prends, elle est à toi. Tu feras ce que commande la force. Je te rendrai ton bienfait. Quand dois-je le faire? Le plus vite. Pour une autre naissance. Adieu, Renaud. Ici, personne ne nous a vus. Que dira le comte s'il l'apprend? Il l'approuvera! Adieu, Renaud! Adieu, Guillaume! Alors ici, on mettra le grain. Et s'il pleut? S'il pleut? Alors on construira un toit. Et la farine? La farine, elle sort là. Et on la récupère. Tu ne me crois pas, Jean? Si, maintenant j'y crois. Il reste à mettre l'eau. C'est l'alarme au camp. Viens, Jeanne, là nous serons à couvert. Baillons la protection!
Veille la protection. N'hi pas Guillem que va tuar. Que és Piri, que m'ha barrat a la porta, que m'ha refusat a la protecció. Que és que ho batte. Que vos, que asiem era guerra, Guillem? De què? De bastus et traquers, contra espades de fer, de cotes que pleguen? De les armes es praues. E posu da laigo de la sue suns. E tu e cacciui he, e raguero a sue esclaves. E tu e leo a sue bestia. Se smefiat. Iem che ricara contra nus, da be sues guerries, che bos batti tu, da bu bastu contra che zomes bestis de her. E mem, saus tu am, che ne arribaran d'autes, mes machans. Iem nus ataque pas. Que m'ho sé la guerra per lui de Suez, de Piri. Que cau saber, so que m'hem aganyat d'et. T'ha de vengue homes de Suez, esclaves que... Que preferes estar mort? A vos te canto estem baixat a cap. Que vos bat encara? Demorat! Que hi ha el mur. Era sua henna che grosso. Se mai nades che muresh che partirà. Che desideram alla nascenza. Demuram. Tu vois, ton barrage est mal fait, ça ne tourne pas. Il n'y a pas assez d'eau. Marc. Va t'occuper des chevaux. Tu n'entends pas l'orage? Zoias sense un tornaràs. Es passaràs de gir. Beni! Entendes pas que tu rumbia?
ciel se vide de ses eaux comme pour une naissance. Vous aussi, Judith, promis soleil, serez délivré. Ce sera votre gloire. Pour qu'une juste coutume soit établie entre Guillaume et les habitants du fief, je déclare à chaque fauché de près, en la fête de Saint-Rémy... Non. Chez nous, c'est plus tard. C'est plus tard qu'en plaine. À chaque fauché de près, 4 deniers seront dus à Guillaume. Nos hommes auront liberté de faire paître et de faucher selon leurs besoins. Sur nos terres d'usage. Pour 6 arpents du fief cultivés à l'année, Guillaume aura 4 journées de corvée mensuellement à 4 hommes et 4 femmes. En sus de la redevance en nature, 2 gerbes sur 12, et du paiement en argent, 4 deniers par culture. Nos hommes auront liberté de couper des arbres, selon leurs besoins en bois. À bâtir et à brûler. Le fruit de la mine est à Guillaume. Nos hommes auront liberté de pêcher comme par devant. À la main et au filet. Sur toutes nos rivières. Nous récolterons le miel. Guillaume appliquera à chacun le dit de justice. 1/10 de la récolte sera donné au bénéfice de l'Église et des pauvres. Le culte sera célébré par moi et pour tous. Benoît, je t'affranchis de ta condition d'esclave pour le bien que tu m'as fait. Désormais, tu pourras témoigner en justice et tu feras toutes choses à l'égal des hommes libres. De par ma foi et pour que Dieu me fasse miséricorde, je t'affranchis.
À toi, Seigneur Guillaume, seigneur de ce fief, baptisé désormais du nom de ton fils, la Tour Saint-Jean, nous nous recommandons. Nous sommes tes hommes. Tu nous donnes et garantis la paix en ce fief. Nous cultiverons la terre de ton domaine, selon la coutume établie, par un mutuel échange de services. Et hommes, cauram toute libertat, tae pesce bestia, et laia canaiem besun, suse nostras terres. Cauram libertat terra vues, enta vastie brilla, entuses vos, qui sun adendela desis en pas de camp. Cauram libertat de pesca, et la traça era meu, seran d'autis vos. Pazeras de camp, Guillem, hara era justice, cum ab bo era tradiciu, et quense defendera contre et enemics, et homes. Thierry, t'es forgeron maintenant, je te l'avais promis. Il te faut un marteau. C'est le tien. Je te le donne aussi. C'est un soc. Il est beau. Si tu me le donnes, je te donne ma fille. Ta fille vaut bien mieux qu'un soc. Viens demain à la Clotte. Je te ferai un plus beau cadeau. Verse le grain, femme. Il va s'en perdre avec le vent. Non, je ferai un cuveau plus haut. Et s'il y a un orage? On peut détourner l'eau. Et la roue s'arrête. Le bois se gonfle. À force, il va souffrir. Toutes les pièces se démontent. Et les meules? Elles sont en pierre. Le grain est tendre, elles ne s'usent pas. Bon. Maintenant, tu es libre. Tu peux avoir ma fille. Si elle y consent. Benoît. Viens. Toi aussi, Roland. Tu t'es accordé avec lui pour sa fille Jeanne? Oui. En échange de quoi? De ce moulin. Je t'ai affranchi, Benoît. Tu es libre. Tu peux partir avec Jeanne, à la ville, pour l'épouser. Mais tu ne peux pas donner ce qui n'est pas à toi. Le bois dont ce moulin est fait est à moi. Et la pierre de ses meules. Et la force de l'eau qui le fait tourner. Tu m'appartenais quand tu l'as construit. Tu es libre. Mais le moulin me reste.
Il est à moi. Ne sois pas triste, Roland. Tu es mon homme. Je te le cède à bail. Tu seras mon meunier. Tous ceux du fief seront tenus d'y moudre leurs grains. Tu prendras ta part. Tu deviendras riche. Riche. Tu t'en iras. Oui, tu as Thierry pour me remplacer. Tu as des hommes pour cultiver la terre. Je pars à la ville. Qu'est-ce que tu feras là-bas? Des constructions nouvelles. Que Dieu te garde, Benoît. Marc, tu porteras cette charge de grain au con. Et les tuniques ensanglantées de ses envoyés que j'ai vengés. Tu lui diras que j'ai eu un fils. Tu lui diras que j'irai le voir. L'arrière-saison. Adieu. Receptum posuit et non reterebi. Laudate Dominum de terra, Dracones et omnes abissi, Ignis grandonix fumus, Spiritus procelarum qui facit verbum eius, Montes et omnes colles, Linea fructifera et omnes cedri, bestiae et universa pecora, serpentes et volucres penate, redes terrae et omnes populi, principes et omnes iudices terrae, iuvenes et virgines, senes cum junioribus, laudent nomen Domini, quia exaltatum est nomen eius solius, magnificentia eius super celum et terra, et exaltavit cornu populi suvi. Laudate Dominum de terra, Dragones et omnes abissi, Ignis grandonix fumus, Spiritus procelarum qui facit verbum eius, Montes et omnes colles, Linea fructifera et omnes cedri, Bestiae et universa pecora, Serpentes et volucres penate, Reges terrae et omnes populi, Principes et omnes iudices terrae, Juvenes et virgines, Senes cum junioribus, Laudent nomen Domini, quia exaltatum est nomen eius solius, magnificentia eius super celum et terra, et exaltavi cornu populi sui,
Deus omnibus sanctis eius, Filiis Israel populo qui propincus est eis.